La directive durabilité est entrée en vigueur en France le 1er janvier 2024. La durabilité, c'est quoi? La durabilité, c'est la prise en compte dans les objectifs de développement des entreprises, du besoin des générations futures. La durabilité, ça implique effectivement de s'interroger sur les enjeux socio-environnementaux, comment ces enjeux peuvent impacter les performances financières de l'entreprise, mais aussi comment l'activité de l'entreprise peut elle-même impacter la société et l'environnement de manière globale. Pourquoi ce marché est intéressant pour les avocats? Parce que c'est un marché d'avenir, parce que le réchauffement climatique, le pacte vert sont dans le spectre de la Commission européenne et font partie de l'importance de l'urgence climatique. Et les avocats vont pouvoir intervenir dans leur activité de conseil pour conseiller les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, sur ces enjeux de durabilité, puisqu'il va falloir, les grandes entreprises seront concernées par l'obligation d'établir un rapport, mais les petites et moyennes entreprises qui travaillent avec ces grandes entreprises seront également tenues de faire remonter des informations sur leurs activités et sur les politiques qu'elles mettent en place en matière de durabilité. Mais nous avons aussi un nouveau marché qui s'ouvre à nous suite à l'ordonnance de transposition, qui est le marché de l'audit de durabilité, dans lequel l'avocat va pouvoir intervenir pour certifier les rapports de durabilité qui seront publiés par les entreprises.